Non, on va dire le premier but au Parc contre Bordeaux, mon premier but avec le PSG, parce que à ce moment-là, il n'y a rien qui est comparable parce qu'il n'y a pas eu d'autres matchs encore. Donc, après, oui, tu peux les choisir, les sélectionner, mais ce souvenir-là, en tout cas, c'était à ce moment-là le plus fort. Quelle sensation ? Ben, marquer au Parc, déjà, tous les buts que j'ai marqués au Parc, pour moi, c'est... Voilà, ça te donne une espèce de... pas comment t'expliquer, un truc spécial là, qui se passe là, et ça c'est propre aux attaquants. Quand tu marques contre Marseille, ça rajoute encore un peu de, tu vois, de fierté, ton ego il prend un peu de dimension, et puis l'action en elle-même, quoi, parce que c'est une action anodine, un long ballon, et puis je me dis bon, des ballons casse-pipe j'en ai eu, donc un de plus, j'y vais. Néné, c'est Mev qui va, je crois, je récupère le ballon, je donne à Néné, parce que bon, il se débrouille mieux que moi avec. Et puis après, il me passe comme il sait le faire, quoi. Je ne peux pas comparer, mais non, on va dire, il y a énormément de joueurs qui m'ont impressionné, mais Thiago Motta, comme j'ai dit précédemment, a été un joueur pour moi qui m'a... Wow. J'admirais vraiment sa classe parce que c'est un joueur qui est passé par tous les grands clubs et qui avait une simplicité toujours dans son jeu. Voilà, j'adore cette formule qui dit simple et efficace, et lui, c'est vraiment le cas. Ah, elle était pas mal celle-là quand même. Non, j'en ai eu d'autres, des vertes et des pas mûres, mais non, quand on est humoriste, on ne peut pas se satisfaire d'une blague, parce que sinon on n'avance pas. Donc il faut toujours repousser ses limites. Celle de la vache, elle était pas mal, mais j'en ai eu d'autres et j'en suis fier.